De ce programme spécial, il faut le dire, si vous nous écoutez sur la 89.5, merci de nous choisir une fois encore, merci de nous regarder sur Kavi TV, sur Kavi Media, sur siaminfo.com. Et la bonne nouvelle pour vous internautes, vous pourrez aussi télécharger notre application via Play Store, hein. Vous tapez simplement Kavi Media et vous aurez accès à tous nos programmes, je dis bien et tous nos programmes. Au menu de ce numéro, de ce mercredi, pas de chance pour les malversations financières, en tout cas, rien ne passe au CNT en plénière pour la présentation du rapport de l'examen du volet dépenses de la LFR, loi de finances rectificative 2023. Les conseillers nationaux ont une fois de plus relevé un nouveau scandale. Tenez-vous bien, il a été constaté que l'État guinéen débourse chaque année près de 21 milliards de francs guinéens comme frais de location d'un bâtiment si au quartier Almamia dans la commune de Kaloum. Selon le rapport, la Cour des comptes paye 823 443 000 francs guinéens et la Cour constitutionnelle environ 917 millions par mois, soit près de 21 milliards par an pour un même bâtiment. Une véritable saignée financière avec la récession économique qui frappe de plein fouet le monde, notamment la Guinée. Question, est-il possible de faire du nouveau avec de l'ancien? Nous posons le débat dans cette émission Le Scanner. Et nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Bien que la date soit officielle, les difficultés sur le terrain sont persistante du manque d'établissements d'enseignement public, au manque de tables-bancs, en passant par le non-paiement des aérés des enseignants contractuels à Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, le constat réel. Le ministre Guillaume Awinga du pont sur la planche, lui qui devrait mettre fin à ces réalités qui ont toujours caractérisé le système éducatif guinéen, bat encore de l'aile, d'où se poser la question sur comment va-t-il pouvoir atténuer toutes ces difficultés. Vous suivrez quelques pistes de solutions avec nos différents chroniqueurs. Et depuis quelques mois, les acteurs sociopolitiques ne conjuguent plus le même verbe. Une déchirure totale s'est installée en dépit du fait d'être dans une transition. La crise de confiance entre le pouvoir central et les principaux leaders sociopolitiques envenime le débat et enlise les positions. Quand le CNRD et certaines formations politique jugée proche du pouvoir accuse certains acteurs de ne défendre que leurs intérêts. Le camp opposé soupçonne des agendas cachés. La table est vide et chacun se rétracte. Mais qu'est-ce qui a favorisé cet état de fait? Pour en parler, nous recevons au téléphone Mohamed Lamine Kaba. Il est président du Parti Fidèle, vice-maire de la commune urbaine de Farana et coordinateur de la coalition AD, Alliance démocratique. Vous l'aurez compris, notre invité du jour n'a pas pu en se libérer, donc ce ne sera que partie remise. C'était en tout cas le menu de ce matin. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, on ouvre les débats avec les différents débatteurs de cette émission, Le Scanner, sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du pré-chevalier, écarte le rideau de nuages et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media. Une heure et environ 30 minutes de débat pour vous, téléspectateurs et auditeurs. Vous qui nous suivez, je vous exhorte en tout cas d'être très nombreux à l'écoute de cette émission, puisque ça va, c'est des arguments qui vont se boxer dans cette émission tout à l'heure. Les débatteurs, les combattants, les gladiateurs, on va les appeler les chroniqueurs de cette émission et qui m'accompagnent chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah et bonjour au ministre de l'énergie et de l'hydraulique, le grand frère Ali Sédoua Chouma. Ouais. Et il faut lui dire que on n'a plus le courant dans la capitale et c'est vrai que je l'avais suivi à la RTZ parlant de ces projets gigantesques, j'ai envie de dire imaginaires, qu'il a ou peut-être qu'il est en train de mettre en œuvre pour la desserte en courant électrique sur toute l'étendue du territoire national.
aujourd'hui dans la capitale, écoutez, c'est des coupures intempestives non justifiées. On ne communique pas, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et jamais on a assisté à ces arts de coupure. Je me souviens encore quand j'étais au collège, sous le régime du fait général Ancien Comté. Les traditionnels tour-tour qu'on avait, ça a recommencé. Je crois que c'est assez dommage. Avec, mais depuis combien de temps? On ne peut pas quand même continue, se plaindre pour... juste pour un mois, pour deux mois. On ne peut pas quand même dire qu'on a fait un retour à la case départ quand nous même. Nous sommes dans une période hivernale. Mm. Je crois que rien ne peut justifier ces coupures-là, sinon que d'une mauvaise gestion et d'un manque de management. Avec toute cette somme, tous ces fonds qu'on a alloués au niveau de l'EDG. Mm-hmm. Et je crois que, à mon avis, c'est incompréhensible. On parlait de 3200 milliards, si je ne me trompe. Absolument, et je crois que c'est de trop. Et on ne peut pas quand même, à ce stade-là, assister à ces arts de coupure sans pour autant qu'on ait ce qu'on appelle une communication. Ça tombe bien. Hein. On va essayer quand même d'avoir le ministre dans cette émission. C'est vrai que c'est difficile de l'avoir, Alice Edouard Souma, qui ne communique pas souvent. Mais on va se battre de ce côté. On va s'y rendre. Oui, on va aller, hein, on a quand même des amis au niveau de la cellule de communication, pourquoi pas aller les rencontrer et en tout cas l'inviter pour qu'il nous explique un peu ce qui ne va pas. S'il ne, peut-être n'accepte pas qu'il nous donne son directeur, le directeur de l'électricité de Guinée, puisque lui il est ministre, mais quand même il y a un EPA qui s'occupe de tout ça, de la distribution de la fourniture d'électricité en République de Guinée. Quand même c'est un très bon directeur. Je le vois très très, très volontariste, très ouvert sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un bon ministre, c'est lui qui communique bien, oui. C'est lui qui passe tout son temps dans les médias à parler de tout et de rien. Mmh. J'estime qu'il est capable, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un véritable problème de management là-dedans. Donc, il faut qu'il nous explique qu'est-ce qui ne va pas, ses rapports avec les DG, et pourquoi pas aussi ses rapports avec la SEG, parce qu'on a assisté quand même à un véritable sabotage d'une rencontre d'une grande importance au niveau africain. La SEG n'a pas été accompagnée. Tout cela et toutes ces questions, je crois que ça serait important qu'on l'ait ici pour qu'on puisse aborder. Donc la semaine prochaine, il faut s'y atteler. Hein. C'est la semaine de l'indépendance, puisque lundi déjà, c'est le 2 octobre. Il faut rappeler à ses auditeurs que nous aurons des plateaux ici, hein, dans ce média, sur cette chaîne, hein, à la radio, pour faire comprendre un peu les acquis, et en tout cas les ratés, durant ces 65 ans d'indépendance. Oui, je me tourne vers Ali Badar Akila. Bonjour, Ali Badar Akila. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. On va dire Ousmane Gawal Diallo, victime de campagne médiatique hier. Hein. En tout cas, ça a pris le tour de Conakry. On nous apprenait, on nous donnait des noms comme Baouri, on nous donnait des noms comme Ousmane Gawal Diallo, mais ce n'était qu'une poudre de perlimpinpin. Hein. Tu l'as déjà publié et tu fais partie de cette poudre. Hein. On t'a carrément poudrifié, si je peux me permettre le mot, Akila. Ousmane Gawal Diallo, pressenti premier ministre de la République, c'est une cata. Pour ne pas dire une catastrophe, parce que si vous nommez un insulteur comme ça là, un doigt d'honneur du côté des États-Unis, premier ministre d'ailleurs qui est sans bilan là où il est actuellement, le nommer premier ministre c'est comme si vous avez nommé un mort ambulant. Mmh. C'est que oui, c'est que rien ne va se passer là. Déjà c'est quelqu'un qui est sans bilan. Maintenant parlant de Baouri, je sais que l'homme, de par cette carrure, d'ailleurs, cette responsabilité qu'il incarne. Baouri, excuse-moi de placer cela. Baouri que nous avons joint hier tard dans la soirée, il y a Diallo qui n'a pas voulu quand même aborder ce sujet avec nous. Oui, nous l'aurons certes demain ou après-demain dans cette émission. Oui, on l'aura et je crois qu'avec lui, on va passer sur l'histoire sociopolitique de notre pays. Oui. Et c'est un témoin oculaire, c'est un homme d'une grande agilité intellectuelle, il faut le dire. Oui. Il en connaît beaucoup et je crois que c'est important qu'on essaie de fouiller. Mais par rapport à cette nomination, il n'a pas voulu donner de réponse, il n'a pas voulu commenter. C'est ça, il ne faut pas quand même jouer à la Baouri là, parce qu'on l'a écouté hier. Hein, c'est un Baouri qui n'a pas voulu commenter cela. C'est comme s'il y a quelque chose qui était acté. On attend juste que. Il ne veut pas que ce soit comme au temps d'Alpha Condé. Oui, mais écoutez, où les décrets changent en cours de route. Ça change. Je crois que moi, je le comprends. Ouais. Faut pas se livrer à ce jeu-là. Mais qu'il nous dise, il fallait nous dire que
c'est bien possible. Après, c'était un commentaire. Non, en fait, vous savez, c'est assez difficile parce que dès au début, ouais. On l'avait entendu dire ici qu'il n'était intéressé à aucun poste ministériel. Il sera premier ministre. Son souhait le plus absolu, c'est de. Ouais, c'était un langage politique. Hein. C'est que si Baouri accepte d'être premier ministre, c'est qu'il est. Il n'aura que des souvenirs maintenant dans la politique. Qui t'a dit ça? Mais oui. Qui t'a dit ça? Si, après cette transition, avec le discours du 5 septembre, personne de nous ne va se présenter pour une quelconque élection, alors que Baouri, qui aspire gouverner cette République, accepte d'être premier ministre d'une transition qui a complètement dérouté, c'est que là, ça pose problème. Parce que moi, personnellement, je vais dire, et d'ailleurs, je vais oser le dire, que Baouri n'a pas d'ambition politique. Il n'aura que des souvenirs hein, dans la politique et non que de l'avenir. Et je connais cet homme. Il n'acceptera pas de se livrer aussi ainsi si les jalons ne sont pas posés. Parce que la transition, il faut oser le dire, celui qui doit être le premier ministre de cette transition doit avoir la tête sur les épaules comme Béavogui. Non, c'est déjà... Oui, rapidement. Écoutez, je crois qu'on l'avait dit il y a longtemps, on a besoin d'un premier ministre politique qui aura toutes les marges de manœuvre pour pouvoir, disons, conduire le dialogue politique. Ouais. Ce qu'il faut signaler, c'est que dès le début, peut-être ça va être un handicap pour le doyen Baouri. Oui. Ce que dès le début, il s'est affiché comme étant un des soutiens inconditionnels du CNRD. Oui. Et l'avoir comme premier ministre, donc de facto, c'est lui qui va conduire, disons, le dialogue social et politique dans notre pays qui, ici. Qui se trouve au point mort. Qui se trouve au point mort, complètement à l'agonie. Et j'estime que ça va être assez difficile pour lui de faire renaître cette confiance-là. Mmh. C'est un acteur politique qui ne manque pas d'occasion de taper sur ses pères d'opposition. Sur tout ce qui bouge. Ouais, je crois que vouloir conduire un dialogue, ça va être assez difficile. Je ne doute pas sur ses compétences. C'est un homme assez averti, très compétent et qui sait aujourd'hui et qui connaît très bien les maux dont nous souffrons. Est-ce qu'il aura les marges de manœuvre? Parce que si toutefois ces rumeurs-là arrivent à se confirmer, je crois que ça serait un véritable un bon casting pour le colonel. Ouais. Et si toutefois on l'accorde toutes les marges de manœuvre pouvant conduire ces dialogues politiques-là. Maintenant, est-ce que ça sera possible? Est-ce de rumeurs non fondées? On verra tout cela parce que il faut dire des politiques aussi peuvent être derrière tout cela. C'est un moyen de pression. Ouais. On en a vu ici sous Alpha. Beaucoup de gens ici ont à un certain niveau manipulé ce qu'on appelle la presse pour chanter leur nom. C'est un moyen de pression pour qu'ils soient confirmés. Voilà, donc à des postes dont ils ont longtemps chéri. Je crois que est-ce le cas chez le doyen Baouri? On verra très bien parce que toujours est-il qu'on l'aura dans ces studios. En attendant, on essaie de le faire venir dans cette émission pour savoir plus, pour en savoir davantage. C'est très important, hein, puisqu'on parle de politique, tout est possible. Hein. Comme on le dit souvent, la politique, tout n'est pas politique, mais la politique se mêle à tout. Ouais, elle s'intéresse à tout. Ouais, ça, et j'estime que ça serait très intéressant. Pour ceux qui pensent que ça serait ce qu'on appelle une fin d'une vie politique pour le doyen Baouri. Ouais. J'estime que beaucoup d'hommes politiques, 80% de ceux qui aujourd'hui chantonnent sur tous les toits ici, tout ce qu'ils savent, c'est d'être ministre. Ouais. Donc, je crois que s'il arrive à être premier ministre et qu'il arrive à jouer pleinement ce rôle, je crois qu'il n'aura pas vécu politiquement pour rien. Ouais. Voilà, donc, premier ministre, je crois que beaucoup le veulent dans ce pays-là, même si leur carrière politique s'arrête à ce niveau. Bien, on parle de cet autre sujet, un autre scandale dévoilé aux yeux du monde grâce au commissaire du CNT ou aux conseillers nationaux, s'il faut le dire. Je dirais que c'est un gros scandale. Hein. Vente 1 milliard de nos francs pour l'allocation d'un bâtiment. Yaya Diallo, on a suivi cette actualité brûlante. Aujourd'hui encore, c'est une autre journée médiatique.
Honnêtement, j'estime que... On a tout fait hier même, je sais, on essaie, on tente, on retente, mais il faudrait que dans ce studio qu'on ait honorable Dembo Silla, pour qu'il puisse quand même nous expliquer ce qui ne va pas de ce côté, comment ils arrivent à déceler tout ça, parce que c'est vrai que le CNT va exhorter, le CNT va faire des recommandations, et comment je peux dire ça, souligner des manquements, mais que fait la CRIEF de ce côté? En fait, ce pays, je ne veux pas utiliser ce terme, mais j'ai comme l'impression que je suis dans un autre monde, Yaya. Ah ben, il faut le dire. Non, je suis dans un autre monde. Je suis dans un autre monde, honnêtement. Nous sommes dans une société à part entière. Ouais. C'est incroyable. Vous savez très bien que l'ancien CENI, la Commission électorale nationale indépendante aussi, était dans cette même magouille. Et on nous apprenait mais que... On parle de la Cour des comptes. Oui, on parle des institutions. Attention, on parle des institutions. La justice boussole la cour, de la transition, la qu'est-ce cour, qu'on en fait? La Cour des comptes, la cour constitutionnelle d'alors. Et laissez-moi vous dire que la CENI d'alors aussi était dans une telle magouille. Dès l'arrivée du CNRD, on avait soulevé cela. Et c'était une façon de citer ce qu'on appelle l'espoir tant attendu, c'est-à-dire que mettre fin à toute cette gabegie-là. Mmh. Mais on nous apprenait que c'est les immeubles qui abritaient l'ancien CENI appartenaient aux dignitaires de l'ancien régime. Et je crois que c'était une véritable mafia. Il y avait des rétrocommissions qui se faisaient là. Et en réalité, c'était une véritable saignée financière. Mmh. Et entendre aujourd'hui que la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle aussi se trouvent dans une même situation absurde, je crois que c'est assez lamentable pour notre pays. Et c'est pour autant dire que rien n'a changé. Oui, on se permet de le dire. C'est pourquoi j'ai posé la question dans mon introduction. Est-ce qu'on pouvait faire du nouveau avec de l'ancien? Rien n'a changé. Honnêtement. Rien n'a changé. Je crois que la compétence de la CRIEF commence à partir de milliards de notre franc. Mmh. Dès l'instant que la somme dépasse les milliards, je crois que la Cour devrait s'y intéresser. Notre Cour très, très spéciale. Mmh. Mais on s'en rend compte qu'en réalité, c'est un instrument qui consiste à mettre au pas tout acteur politique qui semble être un obstacle pour le CNRD. Je me permets de le dire parce que aujourd'hui, on assiste ici et là à des malversations financières flagrantes. On n'a même pas besoin d'approfondir les enquêtes pour en savoir. Mais si les acteurs, les véritables acteurs qui devraient quand même sonner le glas d'une telle pratique dans notre pays sont pleinement impliqués là-dedans, ouais, je vois très mal comment on peut éradiquer une telle pratique dans notre pays. Donc c'est pour dire que nous sommes très mal barrés et là on verra très bien que je crois que le CNT t'a félicité pour ce qu'il est en train de faire ici. Honnêtement, c'est bien. Et félicitations pour Dr Dansa et son leadership. Et on avait assisté à beaucoup de régimes ici, mais ces arts de choses, on n'en a pas assez vu parce qu'on considérait que, bien qu'on soit dans une période transitoire, on considérait que si on est au Parlement, de facto, on est appelé à défendre même l'indéfendable du régime. Donc c'est le cas du sous-régime d'Alpha, tous les conseillers nationaux. Il faut saluer quand même le courage de ces conseillers nationaux. C'est une véritable malgré que nous sommes dans une transition, quand même ils osent dénoncer un certain nombre de faits et de réalités. Même s'il y a beaucoup de manquements là-dedans, mais puisque nous sommes dans un état où on contente du minimum, je crois que c'est à féliciter. Il faut les encourager d'aller en profondeur, de mettre en place des commissions d'enquête, comme je l'ai dit. On en aura beaucoup et je crois que c'est leur mission. Il ne faut pas trahir cette nation-là. Et si vous êtes payé pour ces arts de choses-là, il faut assumer votre responsabilité face à l'histoire. Aujourd'hui, il faut le rappeler, nous sommes dans une situation où la gabegie financière fuse de partout. Ce n'est secret pour personne. Et je crois que le colonel, encore une fois, et je crois qu'on n'est plus en phase avec le discours du 5 septembre. Et bien là, je crois que... Honnêtement, Cour suprême, Cour des comptes, dans un seul sale drap, c'est étonnant. Oui, Akil Ali Badara, l'ambassadeur de l'Axe. On va beau dénoncer, mais si nos institutions manquent de robustesse, manquent de cohérence, c'est... Comme ça, on va se retrouver dans une république... Qu'est-ce que tu appelles robustesse? Oui, non mais sérieux, si les institutions ne sont pas robustes face
à un groupe de gangsters qui s'accaparent de tous nos biens dans ce pays, mais quand même, c'est dommage pour une république comme la nôtre. Mais moi, ça ne va pas m'étonner parce que même ces membres du CNT, même en sa tête le président Dansa Kuruma, et c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Non. Mais oui. Non, sérieux. Vous savez, il y a... Quand même. C'est bon, c'est beau. Il faut dénoncer. Il faut saluer les efforts des uns et des autres. Il ne faut, faut pas te noyer dans la critique. Quel est quand le budget? Ne te noie pas dans la critique. On veut lui d'abord, on veut comprendre son, connaître son budget. Est-ce qu'on parle de fonctionnement? Est-ce qu'on parle de lui? On parle de la loi de finances rectificatives. Presque. On te parle du chien, tu nous parles presque de lui. Presque, je dis, c'est blanc bonnet, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Parlons de la loi de finances rectificatives 2023. Cette loi de finances, cette loi bien sûr de finances, en sa tête le CNT qui a d'ailleurs mené ses enquêtes pour nous sortir Le CNT ne mène pas d'enquête, attention. S'il vous plaît, d'accord, c'est commissaire. Le CNT analyse le document fourni par le ministère du budget quel et de l'économie et des finances. Attention. La procédure elle est simple. Respecte, faut pas mélanger les choses. Qu'on se respecte un peu dans ce pays. C'est beau de dénoncer. Mais c'est pas une dénonciation là. S'il vous plaît. C'est un manquement qu'on relève. Quel manquement? Honnêtement, vous voulez qu'on rentre dans les détails? Non, tu passes à côté. Non, mais si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Oui, vas-y, si tu as des preuves. Pourquoi pas? Ce CNT. Est-ce qu'on parle du CNT? Non, je veux te dire, en fait, mais la démarche, elle vient de là. Le manquement, il vient de là. Comment? Ce manquement. Comment? Mais c'est eux. Eux, comment? C'est eux qui ont fait appel au commissaire. Ils ont fait une sortie. Ils ont parlé d'un manquement de 21 milliards de francs guinéens. Mon Dieu, mon Dieu. Vous allez me comprendre. Je ne serai pas dans cette logique que vous. Hein. Non, bah, c'est ma logique. C'est dans ton analyse que je comprends rien. Mon analyse, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Mais si vous me laissez aller au bout de mon raisonnement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Allez-y. Ce manquement de 20 milliards et 21 milliards. C'est pas un manquement. D'accord, c'est pas un manquement. Cette somme-là pouvait faire quelque chose. La Cour suprême, d'autres institutions sont aussi rattachées. Aujourd'hui, on nous parle d'une somme aussi colossale qui pouvait faire en sorte que le Guinéen au moins dise « Alhamdulillah ». Ce n'est pas le cas. La CRIEF, elle est là. Depuis qu'elle est venue, on a senti que cette CRIEF aujourd'hui est un instrument de déstabilisation des anciens dirigeants. Si le CNT aujourd'hui a mis ça devant le monde entier, c'est que de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle devait faire? La première sortie que le CNT a eu à faire, c'est manquement l'argent, les sommes, les 2000 milliards aujourd'hui qui disparaissent dans le taxe minière. Qu'est-ce que la CRIEF a fait jusque-là? Rien. Qu'est-ce que la CRIEF a fait jusque-là? Rien. Il n'y a pas eu de poursuite. Le président n'a pas parlé là-dessus. On a pris nos sommes ici. Ils sont allés du côté de New York. Ça a été dépensé. Rien n'a été fait. La deuxième sortie, c'est la même chose. Le CNT encore nous met devant nous une autre infraction. Mais qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va se réaliser? Parce que Ali Touré jusque-là, depuis des mois, il n'en parle presque pas. Il ne fait absolument rien. Aujourd'hui, 21 milliards de francs guinéens. Mais attendez, ce CNT là même qui nous a fait cette sortie, est-ce que le CNT va pouvoir ou va oser interpeller même le président de la transition, pour ne pas dire. Est-ce que tu as lu le rapport? J'ai lu le rapport. Non, tu n'as pas lu. Si. Non, si tu avais lu, tu n'allais pas dire cela. Non. Parce que le CNT, attention. C'est bon de dénoncer. Non, je vais te lire le passage, s'il te plaît. Allez-y. Non, c'est important. Il faut qu'on se comprenne. On est en train de débattre là. Le CNT a exhorté au gouvernement de revoir les négociations en attendant de trouver autre issue. Attention. Autre issue. Qui, là? Oui, autre issue. Attention, c'est pas un détournement là. Autre issue. Non, c'est pas un détournement, il faut vous faire savez, attention. Vous savez, au mot. C'est que le 21 milliards rentre dans l'allocation d'un bâtiment. Est-ce que ça a été surfacturé? C'est au gouvernement de le prouver. Mais pour le moment, ce n'est pas un détournement. C'est pourquoi je dis que tu es en train de passer la première sortie des commissaires.
commissaire. La première sortie des commissaires. Est-ce que le gouvernement s'est justifié? Quel commissaire? Ils ont assisté. Le CNT, c'est le CNT a pour rôle d'interpeller. C'est manquement. Le CNT le CNT n'est pas la CRIEF. Le CNT n'est pas la sécurité. Déjà, ce CNT, là, vous connaissez sa composition. Est-ce que tu es en train de faire une autopsie du CNT? Vous connaissez. Tu es en train de parler des 28 milliards. D'ailleurs, je ne crois absolument pas à ce CNT. C'est là où il y a le problème. Parce que. Tu es à côté de la plaque ce matin. D'accord. Il n'y a pas de souci. En CNT où son président a été nommé par décret, où certains commissaires... C'est ce qui va l'empêcher. Un CNT qui danse même l'arrivée d'un président de la transition, et ses membres qui se dépêchent, qui viennent danser avec les autres pour accueillir un président de la transition. Vous pensez qu'avec cette dénonciation-là, moi, Akila, qui a vu d'une autre face cette montée du CNT que je vais y croire, mais je dis non, ils vont beau dénoncer, ils vont beau faire, mais nous sommes dans une république de désespoir. Nous sommes dans une république où rien ne peut marcher, et d'ailleurs ça ne marchera pas. Ils vont beau parler, ça ne va absolument pas impacter la gestion de cette transition, la malversation financière dans laquelle nous a mise cette transition. Je n'y crois d'ailleurs pas au CNT, je n'y crois pas. À ce gouvernement, c'est la même chose. Même au président de la transition qui a tenu un discours du 5 septembre, c'est bonnet blanc. Si on s'attaque à la gestion même du président du CNT, vous comprendrez avec moi qu'il n'est pas mieux que ses ministres. C'est à qui là, rien ne m'étonne. Oui, il y a pour en terminer. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que si nous en débattons aujourd'hui, on parle de ces 21 milliards, même s'il y avait une catégorie de Guinéens qui était au courant de ça, il a fallu que le CNT soulève le problème. La corruption ou pas, c'est toujours est-il que ce qu'on appelle, il y a Dijon, une affaire qui quand même qui suscite des interrogations. Mmh. Parce qu'on ne peut pas comprendre si on a soulevé la question, c'est parce que, le problème c'est parce qu'on s'en rend compte que 800 millions par mois, je crois que c'est quelque chose de trop. Trop même. Avec ces 21 milliards, on pouvait quand même construire. C'est quelque chose de trop, c'est pourquoi on a soulevé. On a besoin des explications, c'est en cela qu'on interpelle la CRIEF si elle existe encore, qu'elle puisse faire son travail. Je crois que le CNT a fait son travail. On peut poser des questions sur comment les uns et les autres sont venus au niveau du CNT. C'est dans une période transitoire. Je crois que tout serait-il qu'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le CNT fait de ses prérogatives, qu'est-ce que le CNT fait de sa mission. Je crois que c'est ce qui nous intéresse. Et jusque-là, on constate qu'il y a des efforts. Personne ne pouvait s'attendre à de telles sorties ou à une telle position du CNT, parce qu'on croit un CNT complètement qui s'en accommode à tout, et un CNT de béni oui, mais on s'en rend compte que il y a là-dedans des évolutions. C'est un courage qu'il faut signaler, parce que on a assisté ici à des parlements légitimement et légalement établis, mais jamais les gens ont eu le courage de dénoncer de telles pratiques de part et d'autre, il faut le dire. Donc moi je pense que c'est un grand pas qui est en train d'être franchi. On encourage le CNT et notamment son président d'aller beaucoup plus en profondeur. Il y a des magouilles partout, même dans les ministères. Il ne faut aller, pas faire de poids de mesure. S'ils connaissent naturellement, et il y en a, il faut, je crois que le CNT puisse prendre son courage et d'aller au-delà de tout ça. Là. Donc, j'estime que aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, c'est celui-là qui a la responsabilité de conduire les destins de notre pays. C'est lui-là qui avait pris son courage de déposer un président dans un contexte que nous connaissons tous. C'est lui qui nous avait promis de mettre fin à toutes ces pratiques-là. Si on assiste à ces arts de pratique encore une fois, et beaucoup plus d'ailleurs même, je crois que c'est à lui de revoir son discours. On ne peut pas jouer au prophète du malheur, mais on estime qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème et nous sommes très mal barrés. Donc c'est ce qu'il faut dénoncer. On ne peut pas quand même, passer tout notre temps à dire que ça ne va pas, sans pourtant encourager ne serait-ce qu'un certain nombre de choses. Donc c'est en cela que je dis que il faut encourager le CNT. Et c'est vrai que c'est pas facile dans une période où j'estime que nous sommes dans une situation où chacun tire le drap de son côté. C'est dans une période où chacun est amené à prendre sa part, comme si c'était ce qu'on appelle un partage de gâteau. Je crois que si le CNT ne trahit pas son serment, c'est lui qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. Il a déjà trahi. Et à contrôler l'action du gouvernement, c'est approuvé. Il a déjà trahi. C'est approuvé. Danser l'arrivée d'un président. Ça n'a rien à voir. Il l'a déjà trahi. Non, ça n'a rien à voir. Il l'a déjà trahi. Ça n'a rien à voir. Ils ne sont pas
là pour le pays. Voilà, à voter les lois. À ce que je cherche, je crois que les gens, il faut que les gens arrêtent. De créer l'amalgame autour de tout ça. Non, il faut que les gens arrêtent. Je crois que c'est un communiqué qui a été diffusé ici par Dijon. Le Premier ministre qui a appelé tout le monde, le chef du gouvernement, à se mobiliser pour accueillir le président. Le président des institutions, tout le monde y était. Je crois qu'ils ont été invités. Je crois que ce qui est important, est-ce que cela signifie que dans ça où l'OCNT ne joue plus de son indépendance, la question reste posée. Moi, j'estime que c'est un homme intègre et qui est assez malin. Oui. Parce qu'il sait très bien que c'est une transition qui est passagère. Oui. J'estime qu'il a une carrière, il a des ambitions. Oui. Je crois qu'il ne peut pas quand même, Dijon, pour une région ou pour une autre, consommer toutes ses ambitions, ou Dijon, toute sa carrière, à cause d'une transition qui me semble être absolument grabataire et qui est au point mort. J'estime que s'il y a de telles sorties, c'est à poser, parce que nous sommes des analystes, nous sommes des chroniqueurs, il faut se poser la question. Pourquoi le CNT a pris son courage de dénoncer tout cela maintenant? Oui, c'est parce qu'il y a quelque chose. Sinon, on pouvait s'en passer et continuer, puisque d'ailleurs même beaucoup d'observateurs pensent que c'est la même racarte. Et puis voilà, CNT, gouvernement, c'est la même chose. Et les danseurs pouvaient passer là-dessus et fermer les yeux. Mais s'ils ont décidé de dénoncer, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je crois que j'ai dit que bravo, il faut qu'il continue dans ce sens-là. Bien, voilà. C'est déjà compris. Cette émission, c'est aussi nos internautes, ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook, Flash Guinée, groupe Kavi Media. BW Abdoulaye, salut Kavi Media. Je vous souhaite une bonne émission et je salue de passage mon cher Akila, mon cher frère Akila, l'ambassadeur de l'Axe. Excellenceau, bonjour les talkers et au peuple de Guinée. Le colonel et son gouvernement sont une arnaque pour le peuple de Guinée. Nous attendons impatiemment le mot d'ordre d'une pensée particulière à mes parents de Olo, Boubacar Sow Olo, fidèle inconditionnel de Kavi Media depuis Dakar, fidèle téléspectateur d'ailleurs, merci pour votre fidélité, Boubacar Olo. On va inverser un peu, on va parler pourquoi pas de cette crise de confiance entre les acteurs sociopolitiques. Il faut le dire, il faut le rappeler parce que c'est important. Au téléphone, nous aurons tout à l'heure le président du parti fidèle, vice-maire de la commune urbaine de Farana et coordinateur de la coalition AD Alliance démocratique, qui sera au téléphone avec nous juste après cette courte transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du pré-chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Continuez avec vos différentes réactions sur notre page Facebook Flash Guinée Groupe Kavi Media. Si vous êtes à notre écoute, vous êtes forcément sur la 89.5 Kavi FM. Sur Kavi TV, vous nous regardez sur le canal 500 sur StatTime. Vous nous regardez évidemment sur Kavi Media si vous êtes sur Internet, sur siaminfo.com, notre site d'information que je vous recommande vivement, où vous pourrez tout simplement télécharger notre application sur Play Store Kavi Media. Vous aurez en tout cas en temps réel, vous pourrez en
temps réel suivre les différentes émissions et les éditions d'information de ce média de développement. Je vous le disais, depuis quelques mois, les acteurs sociopolitiques ne conjuguent plus le même verbe. Une déchirure totale s'est installée en dépit du fait d'être dans une transition. La crise de confiance entre le pouvoir central et les principaux leaders sociopolitiques envenime le débat et enlise des positions. Quand le CNRD et certaines formations politiques jugées proches du pouvoir accusent des acteurs de ne défendre que leurs intérêts, le camp opposé soupçonne des agendas cachés. La table est donc vide et chacun se rétracte. Qu'est-ce qui a favorisé ce climat délétère? Pour en parler, nous avons déjà au téléphone M. Mohamed Lamine Kaba. Il est président du Parti Fidèle, vice-maire de la commune urbaine de Farana et coordinateur de la coalition AD, Alliance démocratique. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour Monsieur Kaba. On me signale que Monsieur Kaba n'est pas, on essaie de le joindre. Bonjour Monsieur Kaba. Monsieur Kaba, vous nous recevez? Bonjour. Malheureusement, on va revenir tout à l'heure. La technique est en train de se démerder pour, en tout cas, tout faire pour rejoindre M. Kaba. Mais d'ici là, crise de confiance, on l'a constaté depuis quelques mois, les acteurs ne conjuguent plus le même verbe, ne parlent plus de la même voix, Yaya Diallo. Oui, c'est un véritable problème qu'on constate. Et je crois que ça, la confiance, je crois que nul ne semble être permis du oui. point de vue dialogue, du point de vue même du processus, de ce processus de transition oui. dans lequel nous sommes. Oui, je crois que... on me signale que M. Kaba est au bout du fil. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour. Merci, merci d'accepter notre invitation pour votre première dans cette émission Le Scanner et sur Kavi, il faut le dire. Nous parlons de la crise de confiance entre les acteurs sociopolitiques. Il faut le rappeler, coordinateur de l'Alliance AD, Alliance démocratique, président du Parti Fidèle et vice de la commune urbaine de Farana. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui a favorisé cette crise de confiance qui existe aujourd'hui et qui, pourquoi pas, freine ce débat, ce dialogue entre les acteurs? Encore une fois, merci de m'avoir invité. Pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que souvenons-nous que le 5 septembre 2021, il y a eu la prise de pouvoir par les militaires. Mmh. Ainsi, toute la classe politique s'était réunie au sein d'une entité qu'on appelait le CPP, le collectif des partis politiques. Mmh. Donc les premières réunions ont eu lieu sur l'honorable Mamadou de Silla, où il était le porte-parole. De là, nous sommes allés sur le président d'Alain, il a été le porte-parole, ainsi ce docteur Kaba et ce monsieur Sidia Touré. Ouais. Mais finalement, une autre proposition de l'UFDG a souhaité qu'on ait un seul porte-parole attitré. Ouais. Ainsi, il souhaitait que cela soit le président, c'est le d'Alain Diallo. Ouais. Et nous qui ne partagions pas cet avis, nous avons pensé qu'il serait mieux de trouver un autre parti politique qui ne représentait pas si vous voulez, qui n'a pas une grande assise, qui ne représente pas, parce qu'au-delà de nous, de toutes les affinités qu'on peut nouer actuellement, c'est que la différence, c'est que nous sommes des adversaires aussi en partie. Oui. Oui, allez-y, nous vous écoutons, M. Kaba. Oui. Ce qui serait interprété comme quoi que nous sommes tous derrière la personne, alors que nous allons tous compétir ensemble, on est adversaires. Oui. Donc nous avons souhaité que ce soit le porte-parole à tournant, mais il n'a pas voulu, donc en un mot, on ne s'est pas entendu, on s'est séparé. Mmh. Quelque temps après, il y a eu ce qu'on appelle la traque des, si vous voulez, la récupération des domaines publics a été engagée par les autorités de la place. Ainsi, ceux qui ont été inquiétés par cette politique de récupération des domaines publics, notamment l'UFR et le président de l'UFR, Sidia Touré, et le président Sénégalais Diallo de l'UFDG, on pensait que vraiment il ne peut plus continuer à la sorte, alors que la plupart de la classe politique avait apporté son soutien au CNRD. Donc ils ne pouvaient plus résister à tout cela. Ouais. Et finalement, ils sont inscrits carrément dans une dynamique d'opposition face aux autorités de la place. Nous qui avons dénoncé la gestion mafieuse des recettes de l'État depuis toujours, nous qui avons dénoncé, nous avons pensé que non,
ce que nous avons combattu sous le régime du président Alpha, c'était l'impunité. Et si aujourd'hui nous avons un groupe, comment on appelle, guinéens, des citoyens, futiles des militaires, alors qui veulent... On a un souci. De soutien. Donc oui, nous avons accepté de la soutenir. Mmh. Et lorsque l'appel a été lancé de venir au dialogue, donc ceux alors qui sont de très bonne foi, je dirais comme ça, c'est nous. Nous avons pensé qu'il serait mieux de répondre positivement à l'appel des facilitatrices, à l'appel du Premier ministre, alors qui a déployé les facilitatrices à nos sièges. Donc ainsi, nous avons reçu les facilitatrices au moins deux fois. La primature a été reçue par toutes les forces politiques et sociales de ce pays. Oui. Ceux qui estimaient se sentaient ciblés par la justice, pour des raisons de poursuite judiciaire qui a été lancée par la grève, donc, et leurs alliés ont pensé qu'il ne serait pas bien de répondre à cet appel de dialogue. Donc voilà toute la différence est née. Sinon, au début, on était ensemble, mais finalement, nous avons répondu positivement à cet appel, et ceux qui ne l'ont pas répondu, qui ont pensé qu'ils peuvent exercer du chantage sur l'exécutif, ont refusé de répondre. Et c'est ce qui a créé toute la différence entre la classe politique, de l'autre côté, entre certaines leaders politiques et les autorités en place. Monsieur Kaba, à vous entendre expliquer un peu, disons, les genèves de ce manque de confiance entre les acteurs politiques, c'est parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle des poursuites judiciaires qui ont été enclenchées contre une catégorie des acteurs politiques et qui ont estimé qu'il ne fallait pas participer, disons, à ces cadres de dialogue. Est-ce que c'est cela? Monsieur Kaba, vous êtes là? Oui, vous nous recevez? Allô, oui. Oui, je vous reçois maintenant. Oui. Vous avez reçu, vous avez compris la question ou il va reprendre? Non, je n'ai pas compris. Allez-y. Donc, pour vous, il n'y a pas ce qu'on appelle le manque de confiance. Il y a une catégorie d'acteurs politiques qui ont refusé tout simplement de participer au cadre de dialogue parce que ils sont poursuivis par la justice. C'est cela? Effectivement, oui, justement, oui, c'est le cas. Et vous avez, quand l'appel a été lancé, nous qui sommes dans la dynamique depuis de promouvoir la lutte contre l'impunité, avons répondu positivement à l'appel du CNRD ou du Premier ministre. Ouais. Et ceux qui pensent c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes avec la justice, et leurs alliés ont refusé de répondre à cet appel. Voilà toute la différence. Donc depuis lors, je peux vous dire que, rassurez-vous qu'on n'a jamais vu un gouvernement qui a tendu la main autant à la classe politique, à la classe sociale que maintenant. Il n'y a pas une seule coalition politique ou une fêtière qui n'a pas reçu au moins plus de 10 à 20 courriers. Monsieur Kaba, j'ai l'impression que le discours a changé chez vous. Facilitatrice. Un souci de connexion, la technique va peut-être essayer de rappeler M. Kaba parce qu'il y a le réseau qui se dégrade, mais on a quand même écouté ce premier point de l'intervention du président du Parti Fidèle, coordinateur de l'Alliance AD, l'Alliance démocratique. Oui, j'ose le dire, je le disais tout à l'heure, et les discours ont changé. Oui, complètement. Oui, les discours ont changé, ouais, c'est ouais, ça la vérité. Oui, c'est qu'il faut rappeler qu'est-ce que... mon ami Kaba. Je l'ai eu il y a 3 mois. Je sais. Mon ami Kaba était un des députés de. Oui, il est de retour. On me signale que M. Kaba est de retour au bout du fil. M. Kaba, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Allez-y, nous vous écoutons. Donc, je disais qu'on n'a pas encore vu un gouvernement qui a tenu la. Moi, mon parti est agréé depuis le 4. Mars 2013, mais de ce jour jusqu'à le jour du coup d'état, le 21, on n'a jamais reçu un courrier du ministre de l'administration des territoires de la décentralisation. Sous Alpha Condé. Oui, bon. À plus forte raison de voir, c'est-à-dire un premier ministre au siège du Parti Fidèle, juste pour nous demander notre avis sur des questions nationales. Ça, on n'a jamais eu lieu par le passé. On n'a jamais été reçu par un ministre par invitation ou quoi que ce soit pour discuter sur les questions nationales. C'est maintenant que nous avons connu ça. Et ce n'est pas moi seul. Toute la classe politique voudrait la même chose. C'est ma façon de dire que franchement, en ce qui concerne la Guinée, s'il s'agit de la Guinée, nous sommes tous obligés de répondre à cet appel, de venir parler de la Guinée. Mais très souvent, les gens se mettent en avant leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt national. Je pense que toutes les manifestations et des agitations qui se font
à l'intérieur de la Guinée et à l'étranger aujourd'hui. Franchement, tout ça, ça prouve à ce évidence qu'ils ne sont pas en train de lutter, sinon nous avons une main tendue, franche. Mais depuis lors, ils refusent de le faire. Ils préfèrent exercer de la pression ou de chantage sur l'exécutif en lui demandant de s'immiscer dans les affaires judiciaires, alors que nous avons par le passé le régime de général Lassana Conté. Nous connaissons les raisons fondamentales des insurrections populaires de 2007. C'est tout simplement quand le général Lassana Conté s'est réveillé un matin, il est allé libérer ses amis de la prison, c'est-à-dire du Faux de Souma et Mamadou Sidla. Et le peuple guinéen s'est levé comme un seul homme pour dire que non, on ne veut pas que l'exécutif s'immixe dans les affaires judiciaires. Alors, c'est ce qui a été le cas. On a eu au moins 2 mois de violence avec assez de morts, plus de 100 morts, parce que tout simplement le président Conté s'est immixé si dans les affaires judiciaires. Si aujourd'hui, 13 ans après, nous voyons encore ceux-mêmes qui étaient les animateurs principaux de ces contestations, demandent aujourd'hui à l'exécutif de s'immixer dans les affaires judiciaires, je crois que c'est aberrant, c'est contraire au bon sens. Et ce n'est qu'une promotion de ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Bien. Le culte de la personnalité. Tsukaba. Oui, le culte de la... Oui. Alors, à vous écouter, c'est comme si aujourd'hui le problème chez l'autre. D'autant plus que les acteurs, les principaux acteurs dont vous faites allusion aujourd'hui ont des affaires judiciaires qui sont pendantes. Je veux parler de Sidya Touré et de Seydou Dalein Diallo. Leur domicile Dijon spolié parce que il y a eu Dijon de plaintes qui ont été déposées au niveau de la justice. Jusque maintenant, la justice est incapable de Dijon trancher. De trancher sur cette affaire-là. Est-ce que sur cette question, ils n'ont pas des raisons valables pour, encore une fois, douter de la sincérité et de la démarche, enfin, la bonne foi de ces acteurs de la transition? Je pense que les preuves ne sont pas à brandir dans les médias, c'est au niveau du tribunal. Mais c'est au niveau du tribunal. Si cela a été fait et que la justice se déclare incompétente, d'autant plus déjà que ces deux hommes ont connu des moments aussi difficiles. Aujourd'hui, ils sont hors du pays. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que vous, d'ailleurs, qui avez décidé d'établir, voilà, parce que je le dis ainsi, avec la transition, est-ce qu'il n'est pas aussi judicieux pour eux de revenir et discuter avec la transition, parce que d'aucuns pensent que vous êtes des tops du CNRD? Bon, on peut le dire, hein, en Guinée, on le sait, on est capable d'inventer des mots, des qualificatifs, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire, la justice ne s'est jamais déclarée incompétente. Si, le tribunal. Peut-être que vous n'avez pas cette information. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, mais attendez, là on ne se comprend pas. On se comprend. Est-ce que la justice s'est déclarée incompétente sur quel cas précisément qui ne pourra pas dire? Parce que quand on parle de l'incompétence de la justice, ça veut dire que ce n'est pas moi, à mon niveau, que ce dossier-là doit être traité. Vous avez entendu ça? Non, mais quand même, Seydou Dalein Diallo était dans une commune qui relevait du tribunal de Dixine. Ah, ok. Donc, vous parlez, donc, parce que vous m'avez cité le cas de M. Kassoré, ceux qui sont actuellement en justice. On parle parce que, à vous entendre parler déjà, vous vous êtes d'ailleurs penché sur un sujet comme quoi ces gens sont cités aujourd'hui dans un dossier, ils sont hors du pays, vous avez parlé de bonne foi. Donc, parlant de ça, est-ce qu'il n'était pas nécessaire, parce que pour ces personnes qui pensent que vouloir rentrer dans le pays avec ces moments, d'ailleurs, ils n'ont pas de maison là actuellement, est-ce que d'un côté, ils n'ont pas raison de prendre position pourvu que la transition elle-même ne veut pas aller au dialogue nécessaire? Voilà, je vous comprends maintenant. En ce qui concerne cette position de la justice, c'est que l'avocat ou ceux qui ont dirigé le dossier du président Seydou Dalein se sont trompés. C'est-à-dire que c'est en principe, dans le cas du général, c'est la chambre administrative. Parce qu'il attaque un acte. Ce n'est pas une personne qui l'attaque. Il attaque un acte administratif. Donc c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui devrait traiter la question. Mais ils ne se sont pas adressés. C'est du droit, là. Oui, on va l'écouter, s'il vous plaît. On va accepter de s'écouter. Oui, allez-y, monsieur. Lorsqu'on attaque un acte administratif, il y a une chambre pour ça.
lorsque vous avez affaire avec un individu, il y a aussi, vous voulez attaquer un individu, il y a aussi, comment on appelle, une instance pour ça. Oui. Donc, sur ce cas précis, son avocat devrait s'adresser, ceux qui ont porté plainte, le président devrait s'adresser à la chambre administrative de la Cour suprême. C'est ce qui devrait être fait. Mais ce qui n'a pas été fait, ils ont adressé à un tribunal ordinaire. Donc la justice s'est déclarée incompétente. Sur ce point, oui. Mais en ce qui concerne le cas des Kassouri, des Damaré et autres là, qui sont actuellement au niveau de la grève, la Cour ne s'est pas incompétente là-dessus. Cependant, à chaque fois qu'il y a de retard, ou en tout cas il y a une évolution dans le processus de la finalisation de la chose, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont ces avocats qui surgissent, qui disent que non, il y a des virgules mal placées, il y a juste cela. Et finalement, l'affaire est retournée. À tout temps, c'est de cela. Et quand je disais que les preuves doivent être étalées devant la justice, c'est parce que le président Kassouri, notamment, lui, principalement, a refusé. Il a écrit tout un roman policier, j'appelle comme ça, pour juste exprimer un seul mot, je refuse de comparaître. Donc, au lieu d'écrire tout cela, il pourrait venir là-bas et lui dire que oui, qu'est-ce que vous me reprochez? Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Mais il refuse de comparaître. Et ces avocats, encore, sont en train de jouer sur cette carte. Donc, c'est ma façon de dire que, franchement, s'il y a un retard dans le processus de la finalisation de ces dossiers, c'est parce que les avocats eux-mêmes, c'est-à-dire les inculpés, pensent effectivement qu'ils traînent vraiment des véritables casseroles et qu'ils ne veulent pas comparaître à la barre pour étaler les preuves. Non, voilà ma façon de... Sans preuve. Monsieur Kaba, sur cette question, il faut qu'on soit d'accord. La chambre d'instruction avait demandé une mise à liberté à plusieurs reprises. Et pour Kassouri, et pour Dr Yanoué, et pour Damaro Camara, pour des raisons de santé. Jamais cette demande n'a été, disons, examinée au niveau de la CRIEF. Comment vous expliquez tout cela? Est-ce qu'un malade peut venir s'arrêter devant comme ça une institution et y parler? Est-ce que c'est possible? Doit comparaître comme ça. Lorsque quelqu'un est malade, je pense qu'il est incapable, il serait incapable d'écrire un roman. Hein. Quand on est malade, on ne peut pas écrire un roman. Ah donc vous expliquez qu'il n'est pas malade. Vous estimez d'ores et déjà qu'il n'est pas malade en prison, c'est ça? Non, c'est-à-dire, tout dépend de quoi. C'est lui-même qui a dit, s'il avait écrit le roman, et dire tout simplement que je ne peux pas comparaître parce que je suis malade. Mais il n'a pas dit, il dit je ne peux pas comparaître parce que je ne veux pas. C'est ce qu'il a dit. Et après cela que ils ont déclaré qu'il est malade. Au même moment, on constate qu'il a pu au moins avoir la faculté réelle pour écrire un roman policier. Donc je pense que de quoi s'agit-il? Même s'il est malade, ça ne veut pas dire qu'il est exempté. N'écartez pas aussi selon la thèse que quelqu'un peut écrire à sa place. Lui, il peut le dicter. C'est possible. Non, mais de toute façon, ça dépend. Ce qu'il peut dicter là, il peut dire ça à la barre, mon frère. Ah bon? Il peut dire ça là-bas, parce que c'est la faculté, c'est la mentalité, c'est la capacité psychique, c'est de cela qu'il s'agit. Donc s'il peut vraiment enchaîner des mots de la sorte, ça veut dire tout simplement que oui, il peut aussi comparer là-bas et dire exactement quel est le degré de solution dans tous ces dossiers. En clair, M. Kaba, est-ce que, comme tant d'autres, vous considérez aujourd'hui que ces mastodontes de la classe politique aujourd'hui constituent le véritable problème de notre société? Affirmatif. Pourquoi? Pourquoi, M. Kaba? Mais vous pouvez le constater. Je vous le disais tantôt, dans ce pays, nous sommes en train de promouvoir ce qu'on appelle le culte de la personnalité. En ce qui concerne le dialogue national, le dialogue inclusif, ce n'est pas le président d'Alain qui a été invité. Ce n'est pas l'UFDG qui a été invité. C'est l'ANAC, une coalition politique qui regroupe près de 20 partis politiques, alors qu'il a été invité. Mais donc, pour le passé, le culte de la personnalité, c'est prendre un individu, le brandir plus haut et traîner la boue d'institution. C'est cela le problème de ce pays. Donc, ce qu'on pouvait faire, il devrait répondre. Ce n'est pas le RPG arc-en-ciel qui est invité, ni le président Kassouri qui est invité. Qui est invité? Il y a une alliance qu'on appelle le RPG arc-en-ciel qui est invité. Donc, tous ces partis politiques, vous pouvez répondre au nom de leur coalition. Mais ce n'est pas encore moins l'UFR qui est invité, ni le président Sidia qui est invité. C'est un ensemble de partis politiques qu'on appelle le FNDC politique qui est invité. Donc je pense qu'il faut juste répondre à cela. Mais à cause d'un seul individu, alors qu'on parle des valeurs démocratiques et universelles de la démocratie. Mais la démocratie étant universelle, en France, vous avez le président Sarkozy qui a des problèmes, qui est inquiété par la justice. Mais son parti n'a jamais renoncé de ses droits. Vous avez aux États-Unis le parti républicain de Trump.
mais qui ne s'est jamais associé alors que le président Trump est inquiété par la justice. Donc vous savez de quoi? Quand vous avez affaire avec un individu, qu'on le traite. Si on le poursuit, on ne le poursuit pas parce qu'il a été leader politique. On le poursuit parce qu'il a eu des gestions à leur jeu malsaines. On voudrait juste savoir la clarté sur tout cela. Mais si vous utilisez tout cela, vous abandonnez tout le monde, plus de 20 partis politiques, refusent de répondre à cela, tout simplement parce que vous avez un individu qui a des problèmes avec la justice. Et vous demandez à la justice d'abandonner ces poursuites-là pour qu'ils puissent répondre, pour que la coalition puisse répondre à l'invitation. Je pense que tout ça, ça ne construit pas la démocratie. Aujourd'hui, M. Kaba, hein, puisque vous avez quand même étalé tous ces problèmes, la source même du problème et de cette crise de confiance, aujourd'hui, que suggérez-vous aux deux camps, c'est-à-dire au CNRD et à ces acteurs sociopolitiques qui refusent de rejoindre la table du dialogue? Ce que nous pouvons dire au CNRD, c'est de continuer la lutte contre l'impunité, c'est de continuer la récupération des domaines publics, c'est de continuer la traque des délinquants financiers. Et quand j'appelle les délinquants, ce n'est pas seulement parce que c'est très insuffisant et insignifiant le nombre de personnes aujourd'hui inquiétées au niveau de la terre. Parce que nous connaissons qu'il y a eu des DAF ici qui n'avaient rien, qui sont devenus des multimilliardaires. Ceux-là sont où? Nous avons des directeurs généraux, ou ça part des établissements publics. Voilà. Donc, ils sont partout, qui se sont arrêtés sur le dos de la population. On ne sait pas où sont-ils. Nous avons des ministres, etc. Donc, toutes ces personnes-là devraient justifier leurs biens. Donc, mais à cette allure, je crois que la tâche est immense. Ils ne pourront pas finir avec tous ces dossiers. Donc, c'est vraiment, ils sont là dans ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils continuent la lutte avec fermeté. L'assainissement de fichiers de l'armée, tous les fonctionnaires corrompus qui ont fait du mal à la jeunesse guinéenne, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, il y a des fonctionnaires fictifs où il y a même certains, ça peut être je ne sais pas qui, quelqu'un qui a fini des études, il est employé par l'État pendant des années, il y a quelqu'un qui perçoit son salaire pendant des années, il ne le sait même pas, et voilà. Vous avez des fonctionnaires qui ont des dizaines, voire des centaines, de salaire récupéré à la fin du mois. Maintenant, aux autres qui refusent de rejoindre la table de dialogue, que suggérez-vous? Je voudrais à ceux-là de revenir à la raison, de revenir à la maison, pour qu'on puisse parler de la Guinée, trouver une solution adéquate en vue de nous permettre d'organiser des élections à bonne date. Parce que ce qui est en jeu, à chaque fois, ce sont des acteurs majeurs. S'ils refusent de venir autour de la table pour discuter, ils vont permettre au CNRD de jouer sur le temps, c'est-à-dire de faire, je ne sais pas comment je peux l'appeler ça. De se retrouver dans un glissement de calendrier. Le glissement, donc, de perdurer, de s'arcabouter, c'est le mot que je cherchais, de pouvoir, au pouvoir. Donc tout ça, ça va nous permettre, franchement, ça va nous empêcher à accéder à tout ce que nous voulons. Ouais. Et le peuple l'a tellement souffert, il ne sera plus bien maintenant de contribuer à cela. Ce qui serait bon, c'est de venir autour de la table. Nous qui sommes venus autour de la table, on nous appelle, je ne sais pas, Les pro-CNRD. On vous appelle les pro-CNRD. CNRD, ça veut dire quoi? Nous avons répondu positivement à un appel. Nous avons fait nos contributions. Vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes actuellement... Et vous avez trouvé d'accord la gestion de la transition? Pas à 100%. Vous n'êtes pas sans le savoir que nous venons de mettre en place ce qu'on appelle la conférence des coalitions et fêtières de la société civile, des coalitions politiques et fêtières de la société civile. Nous avons produit un mémo que vous avez lu, où nous avons fait des propositions, c'est-à-dire, alors si vous voulez, opposées à celle de choses, comme on avait dit, CNRD. Donc tout simplement parce que la mobilisation des 60 millions de dollars peut être extrêmement difficile si on ne parvenait pas à réduire de façon drastique ce chiffre-là. Les différentes étapes en plus. Voilà, sur ce, nous avons fait des propositions. Donc si nous avons fait des contre-propositions, ça veut dire tout simplement qu'on ne partage pas tout avec le CNRD. Bien, il y a la donc, dernière question. Voilà, maintenant des propositions de ce genre-là devraient venir encore à nous animer, à nous tenir, ou à nos partenaires tout simplement, parce que nous sommes politiques ici, de faire les mêmes. Peut-être s'ils acceptent de venir autour de la table, il y aurait des propositions plus pertinentes que celles que nous avons. Oui. Mais si eux ne font pas de propositions, ils ne font qu'organiser les jeunes, prendre des pneus, mettre sur les chaussées, brûler, déposséder les passants,
c'est de cela qu'il s'agit des manifestations. Ça aussi, c'est la démocratie. Oui, il y a la dernière question. C'est la démocratie. Tout ce qui s'organise sur l'axe et ceux qui sont organisés à l'étranger, par la manifestation, c'est une guérilla urbaine qu'on organise ici. Alors, ça, monsieur, c'est déplorable. Oui, monsieur Kaba, on a entendu ici un colonel le 5 septembre dans un discours quand même qui avait suscité l'adhésion populaire. Parlant de cette gabegie financière qui avait complètement, disons, agenouillé notre société. Aujourd'hui, on assiste... S'il vous plaît, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, aujourd'hui, on assiste à moins de deux mois à des scandales financiers, ici et là, dans le cadre de la gestion de la chose publique, de gré à gré, qui sont d'ailleurs même encouragés par certains acteurs de la transition. Et aujourd'hui, nous débattons même sur un sujet où on parle de plus de 21 milliards dans le cadre de près de 21 milliards, disons, au niveau de locations liées à la Cour des comptes et à la Cour constitutionnelle, ce qui quand même suscite beaucoup d'interrogations. Alors, comment vous expliquez ces scandales financiers qui ont éclaboussé, disons, au plus haut sommet de l'État? Je n'ai pas entendu tout ce que vous avez dit, hein, c'est juste la dernière phrase. Vous avez dit, vous pouvez me résumer cela? Le CNRD a pris le pouvoir au nom de la moralisation de la chose publique. On était tous d'accord que nous étions dans un véritable fiasco financier et au niveau dans la période du professeur Alpha Condé, dans sa période de gestion, je vais dire. Aujourd'hui, le même CNRD, dans sa gestion, on assiste à des scandales financiers. On parle de plus de 65 milliards de gré à gré au niveau du ministère de postes et télécommunications. On parle de plus de 6 milliards pour une rénovation de la villa du Premier ministre. Et c'est nos confrères du Sénégal qui parlent de plus de 75 millions d'euros qui ont disparu comme ça. Comment vous expliquez tout cela? Je pense que pour qualifier, par exemple, un débit de surfacturé ou de surfacturation, il serait mieux d'abord de posséder ce qu'on appelle le devis de réalisation de ce chantier. Non, ce n'est pas pour une réalisation, mais plutôt pour une location. C'est 21 milliards. Les 21 milliards, c'est pour une location, la location d'un bâtiment. D'un bâtiment qui abrite la Cour des comptes et la Cour constitutionnelle, soit plus de 800 millions par mois en République de Guinée. On est intercoupé très souvent, vous avez évoqué le cas de la télécommunication, quoi. C'est relatif. Voilà, donc justement, en ce qui concerne cela et la primature, je pense plutôt le siège du Premier ministre, je pense, pas le siège, le domicile alors du Premier ministre, je pense qu'on part à ce niveau de surfacturation. Pour parler de la surfacturation à ce niveau, il serait mieux d'abord de posséder ce qu'on appelle le devis de réalisation de la chose. On peut avoir un chantier qui coûte le matin, je ne sais pas, à 1 million, le lendemain pour que ça soit à 150 000, ou bien même par ambition. Parce qu'il ne suffit pas seulement de construire la maison, mais les mobiliers, par exemple, qu'on peut mettre dans une maison peut être plus cher que la maison elle-même. Est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier Est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier On va s'écouter, on va s'écouter. Akila, on va s'écouter, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a tous ces éléments qui sont chiffrés dans le devis, dans l'expression de besoin? C'est de cela qu'il s'agit. Si nous l'avons, ça, à travers cela, on peut dire, on me dit qu'il y a une ampoule que moi j'achète au marché à 7 000 francs, que cela est acheté à 25 000 francs, alors que c'est la même qualité. Ça, de cela, on peut faire la différence qu'il y a une la surfacturation. Monsieur Kaba, je vous aide, s'il vous plaît, je vous aide sur cette question. On parle de plus de 65 milliards pour la rénovation de l'immeuble et plus de 20 milliards pour tout ce qui est meublement. Je vous aide là-dessus. Il y a véritablement... Je connais ces chiffres-là, mais c'est ce que je vais vous dire. Alors, pour dire que c'est trop, il faut savoir quel est le prix des matériels, c'est-à-dire exprimé dans le document pour savoir que non, il y a eu la surfacturation. Oui, mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas parler de cela. Bien. Parce que tout ce qui se dit autour, ce n'est pas le chiffre qui doit vous effrayer. Mais c'est l'ambition, le chiffre sert à faire quoi? Si c'est pour acheter tel, vous connaissez le prix de tout cela, vous verrez que non, ça sent le prix de ceci sur le marché, ce qu'ils ont demandé c'est trop, donc du coup, il y a eu la surfacturation. Mais tant qu'on n'a pas ça, il ne faut pas crier... Parce que le chiffre est trop élevé. Mais le chiffre là, il vous a besoin de savoir le prix du matériel. C'est pourquoi moi je ne pense pas qu'il faut traiter de cela d'abord
comme surfacturation. Donc, pour vous, ce n'est pas une surfacturation, c'est ça? Non, je ne peux pas dire, comme si vous le confirmez ni infirmer pour le moment. Oui, sur l'autre question, monsieur Kaba. Parce que je n'ai pas le débit devant moi. L'expression de besoin, je ne sais pas. Donc, je ne pourrais pas juger. Bien. Parce que je n'ai pas tous les éléments avec moi. L'autre question. En ce qui concerne le. Comment on appelle, vous avez rappelé. Oui, les 21 milliards pour la location. Pour la location. Bon, vous savez, cela, je ne sais pas exactement, mais ça ne m'étonne pas. Je pense que nous avons vu, on a été informé du prix de location de la CENI, du chef de la CENI. Oui. C'était, des, je ne sais pas, voire plus de 600 milliards, je ne sais pas, ou je sais pas, plus de 600 milliards, ou plutôt 600 millions qu'elle a été dit par mois, mais finalement, ils ont négocié que c'était venu, selon ce que le ministre nous a dit. Le monsieur a accepté à 200 000 ou à 250. Donc tout ça, ça prouve que c'était des choses qui ont été surfacturées sous le régime du président Alpha. Et c'est ce qui a fait que nous avons toujours condamné, désapprouvé tout ce qui se passait. Donc je pense que ces locations n'ont pas commencé sous le CNRD. Ont commencé depuis très longtemps, qui continuent. Peut-être qu'ils viennent de découvrir et ils veulent mettre fin à cela. Okay. Et ce qui était, n'était pas le cas sous le régime du président Alpha. Même si des choses comme ça, moi j'entendais ça, les bâtiments qui sont en location, tout ça, par l'État, que l'État louait pour des institutions. Je savais que c'était très surfacturé et c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Mais c'est maintenant que tout le monde en parle parce que nous avons un régime qui est engagé dans la lutte contre l'impunité. Aurait été sous le régime d'Alpha, personne n'en parlait, personne n'allait le savoir de façon claire. Donc, sur ce, il faut dire qu'il y a une avancée considérable. Bien. Parce que ces dossiers-là, aujourd'hui, sont étalés en place publique. Ce n'est pas rien, ça. Ok. On est vraiment taxé par le temps. Dans l'autre sujet à débattre. Oui, allez-y, M. Kaba. Je ne dis pas que la gestion du CNRD est nickel, parce que l'œuvre humaine est imparfaite, mais surtout, tout début est difficile. Oui. Je pense qu'il y a des actes qui avaient commencé au début, où la forme n'était pas mise. Il ne peut pas continuer à le faire. Quand je prends le cas, par exemple, de dégâpissement de M. Comme l'honorable Damaro, le docteur Yanné, de Nantou, c'était à Mané Militari. Ouais. Mais vers la fin, nous avons observé que quand ils veulent déloger quelqu'un, il y a des préavis au moins de 3 mois. Mmh. Donc avant, ce n'était pas le cas. Ça veut dire plus on avance, plus la gestion s'améliore. Le plus important dans tout ça, ce n'est pas le nombre d'argent qu'ils vont mobiliser de la main de ceux qui ont spolié ce pays, nos ressources. Mais ce qui est plus important, c'est l'effet dissuasif. Bien. Avec le temps, ceux qui viendront après le CNRD ne vont pas se comporter comme le régime de président Alpha ou comme même ceux qui sont en train d'exercer le pouvoir actuellement. Bien. Je crois que tout cela, ça prouve qu'il y a une avancée et c'est pourquoi nous soutenons le CNRD à bras le corps. Bien. Merci, Monsieur Kaba. Je rappelle que vous êtes le président du parti fidèle, coordinateur de l'Alliance AD, Alliance démocratique, et vice-maire de la commune urbaine de Farana. Merci vraiment d'accepter notre invitation, même si c'était de façon très, très précipitée ce matin. Oui, c'est pas le souci. Merci, je suis vraiment disposé. Merci et bonne journée de travail à vous. On va tout à l'heure, après cette courte transition, ouvrir l'autre volet de cette émission, Le Scanner. On parlera d'éducation et cette fois des difficultés auxquelles fait face le ministre Guillaume Awing à quelques jours de la rentrée des classes. Et tout à l'heure. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kali Media. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du pré-chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media.
Ouvrons à présent le volet éducation de cette émission, le scanner. Dans cette dernière partie, il faut le dire, nous parlons de la rentrée scolaire 2023-2024, Yaya Diallo, avec des difficultés qui ne disent pas leur nom. Le ministre Guillaume Awing face à beaucoup de problèmes. On nous signale d'abord la vétusté des infrastructures scolaires de base, des infrastructures d'enseignement scolaire, pardon, publiques, parce qu'il faut le signifier. On nous parle de ce bras de fer entre les anciens contractuels et le gouvernement suite au non-paiement de leurs primes. Les anciens contractuels, aujourd'hui même, qui sont en réunion, tout près de nous, ici à Imbaya, à l'école Tôle Rouge, on l'appelle comme ça. Aujourd'hui, face à tous ces problèmes, est-ce que le ministre Guillaume Awing peut réussir cette rentrée scolaire 2023-2024? Absolument pas. J'estime tout mon souhait, c'est à ce qu'il réussisse. Au nom de l'intérêt national, pas pour se bouger, mais je crois que tout ce qu'on a dit ici et tout ce qu'on est en train de dire ici autour de ce ministre, ça va se confirmer dans sous peu. Oui. Je crois que c'est un monsieur qui manque de vision, qui manque de leadership. Et comparativement à d'autres pays, notamment en Côte d'Ivoire, dès après, disons, la fermeture scolaire, on s'attelle pour préparer, disons, l'ouverture. Je crois que ces questions, on ne peut pas gérer un département aussi important dans la précipitation, dans l'improvisation. Et j'ai l'impression que ce monsieur s'inscrit dans cette logique-là. Et il ne s'inscrit pas dans le futur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée scolaire, lui-même, le ministre, est en train de faire un diagnostic malheureux. Parce que ça sous-entend tout simplement qu'il a échoué. Si c'est à quelques jours de la rentrée scolaire que lui-même, premier responsable du ministère, est en train de dire ici, il n'y a pas ça. Alors, il devrait alerter cela il y a longtemps. Et je crois que c'est assez malgré. Et c'est pour autant dire que sans pour autant toucher cette problématique liée aux enseignants contractuels, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, lui-même, Guillaume, constitue un véritable frein Vous étiez à la place de Guillaume Awing et que vous devriez trouver des solutions à ce problème, qu'allez-vous faire? Premièrement, d'abord, c'est dès mon arrivée, d'abord, c'était vers ce qu'on appelle un véritable diagnostic. Je parle de ces problèmes d'abord, des problèmes. Si vous étiez face à ces problèmes, qu'allez-vous faire? Aujourd'hui, on vous nomme ministre de l'Éducation, vous serez face à ces problèmes, qu'allez-vous faire? C'est une question piège. Ouverte. Écoutez, Mais c'est pas une question piège. Vous êtes nommé aujourd'hui ministre de l'Éducation, puisque Guillaume, il n'a pas de leadership. Vous l'avez rappelé, Guillaume, il n'a pas pu sortir de l'ornière le système éducatif guinéen. Aujourd'hui, à part décret, je le souhaite pour vous, Yaya Diallo est nommé ministre de l'Éducation. Qu'allez-vous faire? Je fais appel à tous les acteurs impliqués dans le cadre de l'éducation. On pose le débat, on écoute tout le monde. On est à quelques jours de la rentrée. On est à 5 jours, si je ne me trompe. Non. Moi, je n'allais pas agir comme ça. Peut-être que tu n'as pas compris ma question. On est à 5 jours ou 6 jours de la rentrée scolaire. On vous nomme Yaya Premier ministre. Vous êtes face à ces difficultés. Qu'allez-vous faire? Pas on vous nomme avant la rentrée. Cependant, cette petite période-là. On vous nomme, qu'allez-vous faire? Puisque c'est facile aussi de tirer à boulet rouge sur le ministre. Ça, c'est une exception. On te comprend. Tu ne veux pas qu'on tire aussi à boulet rouge sur ton ami. C'est pourquoi tu poses... Tu fais des débats de café, là. C'est pourquoi tu poses cette question piège. Attention. Guillaume est un ministre de l'éducation. Écoute, nous sommes dans un débat. Attention, il faut... Non. Il faut éviter... Attends. Guillaume, non. Mais sérieux. Acceptons de nous. Vas-y. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel là, s'il vous plaît. On pose le débat. C'est loin de là. Il y a des auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent. On pose le débat pour qu'ils puissent comprendre. J'ai juste posé la question hier de savoir si il était face à ces problèmes. Qu'allais-tu faire? Tu poses ta question, après tu dis c'est facile de tirer à boulet rouge, c'est que d'un côté tu as une partie. Akila, il faut sortir de l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Yaya est là, c'est Yaya qui commente, mais dans son temps d'antenne, mais il est calme, c'est toi qui es émotionné. Aujourd'hui, si on se retrouvait, si tu te retrouvais face à ces difficultés, puisqu'on est en train de trouver, de faire des propositions, des solutions en tant qu'analyste, pour qu'on ne rate pas, pour que cette rentrée scolaire ne choue pas, qu'allais-tu conseiller à ce ministre? C'est simple aussi. Non, premièrement, d'abord, c'est qu'il y a de cela. Pourquoi nous dénonçons et nous critiquons la gestion de Guillaume? C'est parce qu'il y a de cela
deux ans. Est-ce que c'est la première chose d'abord. S'il était nommé et qu'on vous l'avait dit, tout ce que votre chose, que je sois à sa place, je le souhaite pour vous aussi que vous soyez à sa place. Ouais, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, oui, c'est mon souhait le plus absolu. Allez, tout le malheur que je souhaite pour vous, Abdallah, c'est que vous soyez à sa place. Parce que on aurait quand même compris que je suis dans une situation d'exception. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours de l'ouverture, ouais, on m'a nommé ministre, donc on peut quand même me permettre ou m'accorder ce qu'on appelle un certain nombre de choses, un certain nombre de privilèges pour, ouais, pouvoir mettre en place, ne serait-ce que provisoire, disons, une commission qui peut pencher sur un certain nombre de choses, puisque c'est une question d'urgence. Ouais. Mais pourquoi nous critiquons? Pourquoi aujourd'hui on dénonce ce ministre-là? C'est parce que c'est quelqu'un qui est du secteur, qui a évolué là de cela, il y a de cela longtemps. C'est un enseignant, c'est un savant guinéen qui n'a jamais inventé quoi que ce soit aujourd'hui et qui a eu la chance d'être à la tête d'un ministère aussi important que celui de l'éducation nationale. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que c'est un monsieur qui a échoué parce qu'aujourd'hui, deux ans après sa nomination, il aurait pu quand même nous épargner tous ces problèmes aujourd'hui qui assaillent qui assaillent aujourd'hui ces secteurs-là. Donc c'est pour autant dire que à sa place, d'ailleurs moi-même, moi personnellement, deux ans à la tête de ce ministère-là, on n'allait pas être à ce stade-là aujourd'hui. Ça, c'est le premier. Nous sommes à ce stade. Nous sommes à ce stade, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle un mauvais leadership. Mmh. C'est ce qui explique cet échec. On dit la coupe, le vin est tiré, il faut le boire. C'est pas tout le vin tiré qu'on peut boire. Allez-y. Il y a certains vins, quand on le boit, on tombe directement là-dessus. Donc j'ai pour autant dire que Guillaume, aujourd'hui, la solution à la tête du ministère, puisque c'est ce que vous me demandez, premièrement d'abord, c'est que complètement qu'on essaie de dégommer ce monsieur, qu'on le remercie et qu'on essaie de voir un homme capable, on a vu ici. Mais en attendant, les difficultés vont exister. Oui, les difficultés existent. Les difficultés existent aujourd'hui. Mmh. Je crois qu'on avait vu, ici Michel Pépé Balamou, qui est un des acteurs de qui nous a rappelé ici. Plus donc il n'y a pas de solution à ces problèmes. Face à ces problèmes-là, face à ces différents, il y a toujours des solutions. Alors, parce qu'avec Guillaume, il n'y a pas de solution. La solution aujourd'hui, c'est que nous avons des contractuels qui constituent plus de 80% du corps enseignant. Disons national, eh bien, si on n'est pas d'accord avec ce monsieur-là, mais disons que nous sommes face à une année scolaire complètement, disons, perdue. Mmh. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'un véritable diagnostic du système éducatif de notre pays, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, parce que au niveau de l'enseignement, quand nous prenons d'abord le primaire, nous avons un véritable fiasco du point de vue formateur. Là, c'est un véritable problème. On ne peut pas s'attaquer, disons, aux conséquences sans pourtant s'attaquer aux causes. Les causes aujourd'hui, c'est que les formateurs eux-mêmes constituent un véritable problème. Il faut s'attaquer, il faut former les formateurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a assisté à un monsieur qui joue au théâtre. Il est venu ici, il a occasionné des échecs ici et là pour justifier je ne sais quelle réforme imaginaire. Et aujourd'hui, on nous dit que oui, les réformes ont pris parce qu'il y a eu des évolutions au niveau des admis. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'éducation est complètement malade. Et je crois qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. J'ai enseigné, vous avez enseigné, le savon très bien. Pour un enseignant ou disons pour un ministre qui est sérieux et qui veut apporter quelque chose, c'est de s'attaquer à la racine du mal. Et le mal aujourd'hui, c'est les formateurs. On a face à nous un manque criard des infrastructures scolaires. Jamais Guillaume Ewing n'a fait face, disons, à ces problèmes-là. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de faire un diagnostic comme nous. Bien, oui, Akila, parlant de solutions pour cette sortie de crise, parce que déjà, hein, s'il s'agit de critiques, je pense qu'au courant la semaine dernière, on a parlé de cette difficulté, de tout ce qui se passe avec, pas courant même la semaine dernière, c'était cette semaine, si je ne me trompe, lundi, avec Michel Pépé Balamou du SNE. Il a quand même détaillé de long en large les difficultés auxquelles font face les anciens contractuels, les anciens en général. Aujourd'hui, côté solution, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sortie de crise rapide pour éviter une rentrée des classes, en tout cas l'échec de la rentrée scolaire? Je n'ai pas de solution pour Guillaume Ewing.
tout ce que je non, peux pas, dire. Non, pas pour Guillaume, attention, je, attention, attention. Je n'ai pas faut... de... Je n'ai pas... Alors, si tu n'as pas de solution, il n'y a, a, a pas de débat. Écoutez, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, écoutez, écoutez, Akila, non, je donne, là, je ne peux pas souffrir. Là, je ne peux pas souffrir parce que la critique est aisée. Moi, ministre de l'Éducation, je n'ai pas de solution pour Guillaume Mawing. Non, pas Guillaume. Moi, ministre, mais c'est lui... Non, il faut quitter le débat de personne. Il faut souffrir quand même d'entendre son nom. Quitte le débat de personne. Il faut souffrir d'entendre son nom. C'est lui le ministre de l'Éducation. Mais c'est pas lui l'éducation. C'est lui le parrain de l'éducation guinéenne. Il faut souffrir d'entendre son nom. Non. Il faut souffrir. Tu as passé la nuit. Tu as trop duré à la mosquée. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Je lisais le Coran. Oui, ça t'a fait l'esprit. J'ai compris déjà. Moi, ministre de l'Éducation, mais d'abord la première des choses, il faut faire l'état des lieux. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Faire des saupoudrages dans les médias, c'est ça? Faire l'état des lieux? Mais il l'a fait, mais très mal. Il l'a fait très mal. Très mal. Non, s'il vous plaît. Il l'a fait, je l'ai dit. Je finis. La façon de faire alors n'a pas été bonne. Merci, mais il l'a fait. D'accord, il l'a fait. Alors, à sa manière. Laisse les débats. D'accord, je vous confie cela. Faire l'état des lieux. Oui. D'abord, au sein de son département, il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de la pédagogie, mais qui aussi sont bénéficiaires de postes de responsabilité. Ça ne veut pas dire que les gens que vous trouvez là, et si c'était des gens qui étaient dans les classes, mais normalement, il faut qu'ils aient au moins le courage d'aller dispenser les cours quand l'heure se pose et quand besoin se pose. La deuxième des choses, au lieu de faire ce saupoudrage dans les médias, venir s'arrêter devant les gens, papoter comme ils ont l'habitude de le faire, ce n'était pas ça le cas. Si lui-même il a fait l'état des lieux, c'était d'appeler toutes ces structures syndicales. S'asseoir avec ces structures syndicales, discuter avec eux, écouter la proposition de certaines personnes. Mais quand Guillaume est venu, il a approché des structures qui pouvaient faire son affaire, comme si les autres qui étaient là n'appartenaient pas au système éducatif guinéen. Ça c'est son deuxième erreur. Troisième, qu'est-ce que lui-même devait faire? Il devait dépêcher des commissaires. Si on est les quatre régions naturelles, parce qu'aujourd'hui on sent de la vétusté dans les écoles, il y a des manques criards de tables bancs et autres, même des fois les tableaux, il y a assez de fissures. C'était aussi de faire l'état des lieux au lieu de nous imposer le code QR. Quatrièmement, voir ces écoles. Il y a un manque d'enseignants, ça ne se dit pas. Mais dans nos régions, il y a un manque d'enseignants. On a l'impression que tous les enseignants qui sont aujourd'hui intégrés à la fonction publique sont beaucoup plus basés dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Ouais. Guillaume pouvait aussi nous aider à nous sortir de cet tas de problèmes. Et il y a assez de manque d'écoles dans nos régions. Il y a des élèves qui marchent de kilomètre en kilomètre pour aller étudier. Imaginez, parlons de Dubreka. Quand vous arrivez à Dubreka, de Kenende, des autres, de Bondabon, mais quand vous voyez les élèves marcher, vous avez pitié d'eux. Oui. Un élève qui sort à 7h du matin, qui marche une heure avant d'arriver à son lieu, à son établissement, vous voyez un peu le mal à cela. Et plus grave, c'est des enseignants communautaires qui sont plus nombreux que même les enseignants contractuels. Guillaume pouvait nous éviter des causes dramatiques dans le système éducatif guinéen. Pensez à l'avenir des enseignants contractuels, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'enseignants. Et les enseignants que nous avons, ces enseignants que nous avons, ont fui leur pédagogie. C'est ce qui est la réalité. Ils ont fui leur pédagogie, parce que quand vous prenez je ne vais pas tirer trop à boulet rouge sur Guillaume, parce qu'il y a, d'un côté, il y a assez de réformes, mais sauf que ça n'a pas été fait comme nous on le veut. Vous, les parents de famille, par exemple, c'est bon aussi d'écouter les parents d'élèves. C'est bon d'écouter les parents d'élèves parce qu'il y a des manquements, il y a des failles qu'il faut aussi résoudre. Et plus grave, pour vous dire encore de plus que Guillaume n'a même pas la même mise sur son département, c'est ces enseignants-là qui sont des employés de l'État, qui laissent les écoles publiques, qui envoient les assistants et eux, ils se déplacent pour aller dispenser les cours dans les écoles privées. Comme si, à la fonction publique, c'était un lieu de repos. Guillaume aussi pouvait nous sortir de cette histoire. Il pouvait s'imposer, mais prendre l'échec occasionné des enfants pour faire de cela son bilan, moi je dis que c'est un bilan morose. Il doit d'abord faire l'état des lieux. 2 ans, mec, 2 ans c'est trop. 2 ans est aussi énorme pour un ministre de faire l'état des lieux.
il ne peut pas attendre à ce qu'il y ait 4 à 5 jours avant l'ouverture pour me parler de tout ça. Guillaume, certes, il a animé une conférence, mais le mieux était d'approcher ces structures syndicales. Ils connaissent l'éducation mieux que quiconque. Bien. Personne ne peut faire leur affaire. Il ne doit même pas s'ériger, parce que c'est ça aussi son plus grand problème. Il s'érige souvent en adversaire. Normalement, il devait sortir de son arrogance, de cet orgueil. Approcher les anciens ministres, je ne vais pas parler de Maurice Angaré, hein, mais plutôt Dr Banon. Il ne devait pas s'ériger en adversaire contre cet homme. Oui. C'était de l'approcher, aussi tirer son expertise. Oui. Ça pouvait aider l'éducation guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation guinéenne dans notre pays, elle est malade. C'est ça la réalité. Bien. On parle toujours mal quand on a rien à dire. Et on s'arrose de l'arrogance et du mépris quand on est faible intellectuellement parlant. Mmh. Et c'est le cas de ce monsieur-là. Je crois qu'il y a une solution, il y a beaucoup de solutions, puisque c'est ce que vous exigez ici. Dans non, ce pas j'exige, je veux comprendre. Oui, oui, vous voulez parce comprendre. Parce qu'on attend de fois critiquer. C'est, il aussi là, bon de c'est là toute la quintessence de notre émission. Oui, c'est ça, nous sommes sur un média de développement. Effectivement. Et faire autrement. Ce que si nous voulons. Avant que cela ne soit trop tard, qu'on puisse encore une fois redresser ce système éducatif, nous avons des gens de vieux, de plus de 60 ans, 70 ans qu'on a remerciés. Je crois que la logique voudrait, le bon sens voudrait qu'on les recycle pour qu'ils puissent et même former ces différents déformateurs que j'ai envie de dire dans les différents établissements scolaires que nous avons ici. Parce que moi, j'ai fait le constat. Pour le peu de temps que je fais à l'intérieur, je ne fais pas souvent malheureusement, mais puisque je suis assez curieux, parce que vous verrez une école primaire par exemple à Yokonkon ou à Dijon, à Koyama, dans Macenta ici. Ou bien à Kolisoro ici. Effectivement. Il y a de bonnes écoles chez moi. Il y a de bonnes écoles. C'est des écoles, quand vous prenez l'infrastructure, c'est très belle. Mais vous voyez que... Il n'y a qu'un seul enseignant, avec quelle qualité aussi. Ouais. Mais c'est là où se trouve tout le problème. Parce que nos enfants sont très intelligents, mais on nous amène des gens qui ne connaissent absolument rien. J'ai discuté avec une directrice d'une école ici à Conakry, ici, qui me disait, on nous a amené ici des formatrices, mais c'est assez bizarre. Et nous, on n'en paie rien, on n'en paie absolument rien. Parce que c'est des gens qui ne connaissent pas comment écrire. Est-ce qu'il faut commencer par une lettre majuscule ou minuscule pour écrire une date? Oui, il dit aujourd'hui, je suis obligé en tant que directrice de tout faire à leur place. Tu me rappelles, parce que, attends, Yaya, tu me rappelles. Au fait, quand j'étais directeur d'école, j'ose le dire aujourd'hui. Alhamdoulilah. J'ai reçu une assiette qui venait de l'ENI. Je ne dénigre pas l'ENI, je l'ai demandé. Parce qu'au primaire, on dépend. Non, l'ENI doit disparaître. Oui, je l'ai demandé les 5 pas didactiques pour ceux qui enseignent dans les établissements au niveau primaire. Et ça, de quoi je veux parler, je leur demande de me citer les 5 pas didactiques. C'était tout à fait un problème. Ok, je comprends, tu peux pas citer. Ok, fais-moi une préparation d'une leçon d'écriture ou de lecture. Elle est passée à côté. Après, je l'ai appelé, je dis, attention, vous savez que moi, je suis ingénieur de formation, journaliste de profession, aujourd'hui enseignant. Elle a cligné les yeux. Je dis, c'est parce que quand tu acceptes d'étudier, il faut te former. Si tu veux être un formateur, il faut être formé. Malheureusement, je n'ai pas pu prendre la dame. Malgré sa beauté, malgré son charabi, je n'ai pas pu prendre la dame. Donc, c'était juste une parenthèse pour te faire comprendre qu'au-delà même du ministre, il y a aussi des acteurs impliqués dans le processus qui ne s'investissent pas pour aider ce ministère. Il y a aussi ça. Ça c'est dans son département. Parce que quand vous avez des inspecteurs, il faut aussi que ces inspecteurs prennent leurs responsabilités. Certes, le ministre, il a beaucoup de choses sur la tête, mais ces inspecteurs-là qui aussi entourent le département, qu'est-ce qu'ils remontent comme information? Parce que quand vous venez, on ne dit pas qu'il n'y a pas de professeurs compétents, mais ces professeurs compétents là ont plus de temps à faire avec les filles élèves dans leur maison c'est leur vie privée, peut-être que vous n'avez pas compris le sens de ce que je
veux on dire. On va quitter ce ça débat. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Oui, ça n'a rien à voir. On va en terminer puisqu'on ça, on est à quelques bien secondes. Bien que ça soit une réalité, mais ça c'est notre cas. Oui. Ce qui touche, est-il qu'aujourd'hui, c'est on a la chance ou la malchance d'avoir quelqu'un qui nous a dit ici tout ce qu'il connaît, c'est l'éducation. Donc c'est pas un médecin qu'on a pris et qu'on a mis à la tête de ce département là. Ça veut dire que, tout simplement qu'il était informé sur un certain nombre de choses. Que les rapports tombent ou pas, la logique et le bon sens voudraient que lui-même qu'il soit capable d'être en mesure de définir un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Bien. Merci Yaya Diallo, merci à Akil Ali Badara, on aurait très bien voulu élargir et continuer ces débats. C'est aussi ça le scanner, le débat constructif. Ici on se parle, on dispute, mais on trouve des solutions idoines pour aider les différents dirigeants à diriger ce pays ou à conduire les rênes de ce pays. Merci Yaya Diallo, merci Ali Badara Akila, merci à l'équipe technique du jour, conduite par le directeur Oumar Diallo, assisté de Idiba, à la régie radio Candace Ancon, l'homme de nuit Mamadou Diallo, qui nous a en tout cas aidé ce matin, régie télé Asanso Babako Ivogu le sorcier, Melika Sita Otaïek, la seule du groupe Robert Kourouma, infographie Yabré Traoré Ibrahim, à la production Alpha Taïboussila, réalisation l'infatigable Michel Wamounou. On se reprend demain pour les jeudis d'enquête, peut-être bien. Si tout se passe bien, on aura Baouri pour le grand oral. D'ici là, prenez soin de vous, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, le média des développements. Au revoir. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.